Morgane a osé relancer le tricycle à moteur. Absolument génial. On croyait une blague au début. Regardez ça. Morgane qui était au départ, hein, comme beaucoup de constructeurs britanniques, fabricants de motos et de tricycles. Il faut savoir que Jaguar faisait des sidecars à ses débuts sur William Lyons dans les années 20. Et donc là, ils ont décidé de reproduire, regardez, avec le moteur avant. Ça a une gueule absolument géniale. On dirait une torpille. Et tiens, il est en train de l'ouvrir là. Quoi direct. Derrière, vous avez la roue là, avec des peintures militaires. Ils ont repris justement ce look un peu armé. Vous voyez, sortie d'échappement sur le côté. C'est vraiment une moto, puis tableau de bord hyper simple. Vous voyez, quelques manomètres, compteurs, contours. On est vraiment dans l'essentiel. Ça, il fallait vraiment oser. Un volant, bien sûr, pas d'airbag, pas de portière, pas... On est dans l'essentiel, mais tout ça est super ouvragé. Vous voyez, les petits switchers. Voilà, on sent que c'est solide. La boîte, là. Juste une ceinture, deux petits rétros. Absolument canon. Regardez, avec l'échappement qui court tout du long, faut pas se brûler. Voilà, et puis cette finition militaire, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Ah, mais je vois 60 000 francs suisses, c'est l'équivalent de 40 000 euros, un truc comme ça. Bon, ça vaudra très cher, hein, pour ce que c'est, mais avouez que c'est un objet. Moi, je crois beaucoup dans le luxe au retour de choses comme ça, très, très, très exclusives, très chiadées, très détaillées. Les vrais objets.